Il y a une mission qui porte nom Droits humains sans frontières qui est venue en Haïti dans le mois de décembre 2022. En fait, Droits humains sans frontières a établi une mission indépendante pour capable analyser la situation du pays d'Haïti, surtout à travers sanctions États-Unis avec Canada prend contre des personnalités politiques et économiques en dans le pays d'Haïti. Eh bien, Droits humains sorti un rapport côté li dressé yon liste victime mesdames et messieurs et nous pral saisi tande qui est-ce qui sous liste ça et pour qui ça yo sous liste là et pour qui ça tout yo pas doué sous liste là. Puis devant nous gagnons magistrat commis dans Port-au-Prince Luxon janvier qui bail yon bilan carnaval qui saute passé à là et tout profiter annoncé 25 février qui a venu là mairie Port-au-Prince a accompagné population pour aller nettoyer Martissant. Nous bral tande déclaration dans un titan qui pas trop longue. Puis devant nous gagnons équipe féminine de football là mesdames et messieurs haïtiennes qui qualifié pour Coupe du monde qui a organisé 20 juillet pour arriver 20 août 2023 en Australie avec Nouvelle-Zélande. Ensemble avec moi, nous prenons le temps des déclarations Melchi Dumorné, alias Coventina, qui permet Haïti qualifier avec deux goals qui arrivent battre Chili. C'est toute information avec diverses autres qui pourrait faire essentielle actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5, chaîne information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à Kubrick Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou vos amis abonné à Info 5 puis capable toujours être connecté à bon information. Jeudi à c'est mercredi 22 février 2023. Eh bien, mesdames et messieurs, si pour Canada avec États-Unis, ensemble de sanctions ça y a pris contre des personnalités politiques et économiques en de pays, c'est pour capable aider, eh bien, selon Droits humains sans frontières, c'est une effraction que Canada et États-Unis fait. D'ailleurs, moun sa yo pa gen anyen pour ensemble avec sanctions ça yo. Dans rapport si là, nous pral tande. Liste des victimes citoyens haïtiens en relation avec les faits présentés dans ce rapport. Yuri Latortue, Joseph Lambert, Ronnie Célestin, Michel Joseph Martelly, Laurent Salvador Lamotte, Hervé Foucan, Gary Baudot, Jean-Henri Seyan, Gilbert Biguiot, Renaud Dib, Sherif Abdallah, Berthaud Dorcé, Liz Kittel, Arnel Belizer, Charles Saint-Rémy, alias Kiko Saint-Rémy. Selon Droits humains sans frontières, moun sa yo, c'est un ensemble de victimes Canada et États-Unis. Nous prenons le temps de pour qui ça, parce que ma prince en nous, pour me lire pour nous. Ces individuels, Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre de Haïti entre le 10 mai 2012 et le 20 décembre 2014, il n'y a pas de président d'une imputation légale à son encontre. Il n'existe aucune accusation formelle de la part d'aucune autorité ni en Haïti ni au Canada liée aux sanctions. La source de l'information est constituée par notes de presse publiées par des médias électroniques qui font référence à des rapports sans fondement avec des groupes armés. Ce qui est probable, c'est que durant sa gestion comme Premier ministre, il a exécuté et promu diverses mesures directes contre le crime organisé en Haïti, principalement au sujet des groupes armés qui existent et opèrent dans le territoire haïtien. Donc, selon Droits humains sans frontières, Laurent Salvador Lamotte lui-même, l'étape aidé gérer situation, l'étape aidé désarmer des groupes armés en dans pays d'Haïti. L'étape essayer rétablir la paix et sécurité. Yo pa wè pour qui raison Canada sanctionner Laurent Salvador Lamotte. On continue. Ces mesures de sécurité ont été réalisées sous les standards internationaux des Nations Unies. Surtout que les organismes de sécurité haïtiens ont été approuvés par des agents autorisés des Nations Unies pendant l'opération de paix des Nations Unies. La mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, MINUSTAH, qui fut établie le 1er juin 2004 par résolution S/RES/1542-2004 du Conseil de sécurité et qui s'est prolongée pour presque 10 ans,
Cette mission a succédé la force multinationale provisoire FMP autorisée par le Conseil de sécurité en février 2024. Selon les informations que nous avons recueillies sur place à Port-au-Prince, Maître Lamothe, en tant que chef de gouvernement et chef du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, avait tout mis en œuvre pour contrecarrer les groupes armés et séquestreurs qui commettent ces genres de crimes contre les droits humains. Monsieur Lamothe a dû mettre en état d'arrestation plusieurs personnes considérées comme intouchables de la société haïtienne, comme par exemple l'arrestation en octobre 2012 d'un homme d'affaires haïtien pour enlèvement et séquestration. Cet homme d'affaires a été par la suite condamné par la justice haïtienne pour enlèvement et séquestration contre rançon. Homme d'affaires Brandt? C'est ça? Il y a parlé de Brandt? Sans doute. Il est indéniable que M. Lamothe a plutôt travaillé contre les groupes armés, mêlés à des séquestrations contre rançon plutôt que de les appuyer et les financer. Donc là, Droits humains sans frontières a montré haïtien qui Jean-Laurent Lamothe lui-même était un bon premier ministre. Qui Jean-Laurent Lamothe l'ité yon se. Bagay n'a parlé de financer groupe armé, fait trafic d'armes, corruption, la mort pa konne, en yon an sa. N'a parti pour deuxième individuel là, qui c'est Jean-Henri Seyam. Ancien premier ministre d'Haïti, entre le 17 septembre 2018 et le 21 mars 2019, 6 mois et 4 jours, y a contrôlé. Il a été une brève période à la tête du gouvernement haïtien à cause de la démission de son prédécesseur à cause de la crise de combustible. Pendant son mandat, il s'est spécialement occupé de prendre des mesures pour améliorer la sécurité publique et s'attaquer aux crimes organisés des groupes armés dans le territoire haïtien. Pendant qu'il a occupé ce poste, Seyam a créé la commission du désarmement haïtien qui fonctionne jusqu'à présent. Ah! Commission des armements a fonctionné? M'bat au courant. Cette commission fut créée et opère encore suivant les fondements de l'article 11 de la Charte des Nations Unies. L'Assemblée générale pourra considérer les principes généraux de la coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, incluant les principes qui régulent le désarmement et la régulation des armes. Le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, plus d'un an après l'initiative inédite de Henri Seyam. Initiative inédite! Mes amis, qu'est-ce que c'est pour vous dans le pays d'Haïti? Qu'est-ce que c'est pour tant de vous dans le pays d'Haïti? Par l'intermédiaire du Centre régional pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et les Caraïbes, UNLIREC, a mis en évidence au mois de mai 2022 l'élaboration du plan d'action d'Haïti et sa concordance avec la feuille de route des Caraïbes sur les armes à feu. Une LIREC a fait autant en soulignant l'aboutissement de l'élaboration du plan d'action national sur les armes à feu lorsqu'il a reçu la seconde mission présentielle de une LIREC le 15 juillet 2022. Donc, selon Droits humains sans frontières, deux moun sa yo, Henri Seyam ak Laurent Lamothe, deux anciens premiers ministres sa yo, au lieu pour ta financer ak soutenir groupe armé, yo te fait tout ça au capable. Gen youn ki tap goumé contre séquestration contre rançon et l'autre là, li tap goumé contre l'armement. C'est ça que fait, li te mette sous pied Conseil des armements. Mais je vous dis à la, il y a plus d'âmes en Haïti que pied patate. Il y a plus d'âmes en Haïti que jardin. Il y a plus d'âmes en Haïti que l'école. Il y a plus d'âmes en Haïti passé moun. Côté conseil de désarmement, ça lui-même, lui passé exactement. Extension des sanctions à d'autres personnes, mesdames et messieurs, pour appartenir à la même famille que les victimes. Sans preuve ni rien, certaines banques haïtiennes qui ont des capitaux canadiens
ou qui réalise des opérations avec des banques canadiennes ont appliqué des sanctions en bloquant l'accès à des comptes personnels ou professionnels et bloquant l'accès au crédit à des membres des familles des victimes principales, provoquant un dommage extensif à des personnes par le seul fait d'avoir des liens de famille avec les victimes. Répercussions négatives des sanctions. Si nous analysons les formules qui peuvent être utiles pour évaluer les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales autonomes appliquées par le Canada contre des citoyens haïtiens et la possibilité de mitiger ces effets pervers à l'encontre des droits humains des victimes, ces formules devraient être centrées dans les organismes des droits humains. Ces agences, dont les premières pour obtenir l'application des mécanismes de réparation des victimes, puisqu'elles possèdent plus d'expérience et personnel compétent en matière des droits humains, blablabla. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est ça que Droits humains sans frontières lui-même lui arrivé écrit. Qui donc là, sanction que Canada et États-Unis a pris contre des membres du gouvernement, anciens membres du gouvernement haïtien, ce sont des sanctions qui vraiment illégales, puisque y'a pas basé sous pièce preuve, surtout, ça qui est avec Laurent Salvador Lamotte et Jean-Henri Seyan, jusqu'à présent, y'a c'est des innocents, mesdames et messieurs. Bagayo compliqué. Non, bagayo compliqué. Vale preuve qui gagne en Haïti, Laurent Salvador Lamotte fait entrer zam en de pays. Laurent Salvador Lamotte finance groupe armé. Vale preuve qui gagne pour yuri la tortue jusqu'à ce que yon écrit un livre sous lui. Vale preuve qui gagne contre Hervé Foucault qui dans trafic drogue. Vale preuve qui gagne contre Joseph Lambert, contre Berthaud Dansé. Lise Kittel, Arnel Belizer, et bien je vous dis à la, Droits humains sans frontières déclarer que Canada avec États-Unis pas supposé prendre des sanctions à l'encontre de Mounsayo jusqu'à preuve du contraire. Quelque part, nous comprenons ça au dia parce que c'est à travers des notes que Canada et États-Unis dit que yo prend sanction contre tel monde pour tel bagay sans que pas gagne un rapport ou un document qui sorti pour prouver que Mounsayo montrait de telle date à telle date. Mais qui ça qui t'est fait, mais qui est-ce qui t'est victime, mais comment situation lui-même lui t'est déroulé. Donc quelque part, mais c'est comprendre yo, mais pas gagné qui fait sans raison. Je nous connais petit proverbe créole là, la fumée pas qu'on levé sans diffé. Puis devant mesdames et messieurs, nous gagné magistrat commune Port-au-Prince qui t'a bail bilan sous question 3 jours carnaval là pour qui ça carnaval là organisé la journée et surtout t'a parlé sous dossier Matissan. Ensemble avec moi entendez Luxon Janvier. Je dis est-ce que moi même c'est moi qui t'a supposé bail bilan, m'passe la presse témoin. Si c'est moi qui bail bilan, m'ka bail menti. Mais si c'est la presse qui fait bilan pour moi, la presse a dit ça loué. Je dis à moi même ça me témoin. Je témoin que la population prend la rue, il dit qu'elle a envie de vivre. Il dit que l'État prend la responsabilité. Il dit bandio, halte là. Et nous même comme l'État, nous prenons responsabilité. Nous prenons initiative ça et nous faisons événement. Et après événement ça, on a pas suite. Samedi 25, nous demandons toute population pour l'accompagner mairie de Port-au-Prince. Nous allons nettoyer la ville là et particulièrement nous avons débloqué Matissan. Et je dis à dialogue qui mérite fait là, nous-mêmes nous avons ce dialogue là. Et nous comprenons, il y a un pile de monde qui n'a pas le dialogue. Et nous avons gardé un pile de monde qui est dans les réseaux sociaux. Au lieu de faire promotion pour le pays, il a fait promotion pour détruire le pays. Je dis à ma demande de grâce. Je dis que ça a fait pas pour moi et pour le pays. Si nous là, je dis à vous poser une question, c'est parce que nous sommes en Haïti. Pour nous être en Haïti, il faut que nous ayons le pays. Et je dis à ma demande de nous tout. Maintenant avec pour mener bataille et moi nous garantis dicté avec toute faute ça communauté internationale lave les nous on va prendre encore je dis à l'île est temps pour nous pas faire préoccuper visa nous parce que grand pile monde qui peut prendre responsabilité yo c'est parce que yo connaissent si yo font dialogue ouvert dans pays a yo ka couper visa yo je dis à c'est pas émotion qui a parlé c'est satisfaction de population qui dit Mlixon prend responsabilité nous aider au changer commune Port-au-Prince et moi même Je prends message à cœur, je prends devant. Malgré tout ça qui arrive, et si lui veut, je ne regrette pas. Si la communauté internationale coupe le visa parce que je veux
faire pays me revivre autant que j'étais connu vivre, ça va pas déranger et ma petite communauté internationale là accompagner mon travail m'a fait parce que travail m'a fait là bon pour communauté internationale là parce que communauté internationale là impliquée dans la bataille Haïti. Chaque fois qu'il me fait échec, je fais échec tout. Et je dis à réussite, c'est réussite communauté internationale là. Et je suis prêt pour me sacrifier toute sacrée pour Haïti, pas vivre le moment qu'il a vécu aujourd'hui. Je suis prêt à gagner, que le pays a gagné à gagner. Normalement, nous tendons pas sous Matissan. Donc, Luxon Janvier déclaré que il faut pas qu'il travail déjà, il n'a juste pas invité la presse. Mais qui côté travail ça au fait? Comment il fait réaliser? Et comment nous pourrons le faire à sous Matissan pour nous nettoyer? Expliquez-nous. Salut, son janvier, vous faites une grosse déclaration. Mon capitaine Dolayo a dit, est-ce que c'est un rêve? Ça fait plus de deux ans que mon presque pas traverser Matissan. Ou dit le 25 mois ça, mois février 2023, ça, que nous pourrons nettoyer Matissan. Est-ce que c'est une vérité? Ou quoi dans ça? Ça qui arrive, moi-même, je suis un équipe à parler dans la presse. Je suis un peu de travail m'a fait. C'est faute moi que la presse pas au courant. Parce que c'est moi qui t'a invité la presse pour expliquer la presse à m'a fait. Je dis à moi-même, je profite d'inviter la presse. Pour me dire la presse, lui mettre une visite sur Matissan. Pour voir qui ça me fait sur Matissan déjà. Et je des vidéos qui me fait. Moi qui aime bien, je vais publier. Parce que le moment où je fais des vidéos, des paroles, que moi-même je lancé, je pense que câbler sur un paquet de monde. Particulièrement le ministère pour le public là. Et c'est une raison que je ne fais pas publier la vidéo. Parce que les maps gardent l'état Matissan. Ce n'est pas le job de la mairie, c'est le job de la République. Parce que c'est le job de la République qui a une responsabilité pour le curé Ravigno. Je dis, regardez tout le canal, j'en ai plein. N'importe qui l'applique fait, Matissan a binodé. Et si nous avons dit combien de fois, moi-même personnellement, je parle avec le ministre de la République pour demander pour l'aider et pour l'accompagner pour nettoyer Matissan, nous ne pouvons pas dire quoi. Le ministère de la République a toujours pris la responsabilité partout pour dire qu'il n'y a pas de voyer l'équipement en bas dans Matissan. Parce que il n'y a pas d'appel pour saisir l'équipement. Je comprends tout. Et c'est ça que moi-même je dis, je profite de la voix de la mairie pour me dire que le ministère de la République là, pas de aucun monde qui a saisi l'équipement. L'équipement, c'est l'équipement de l'État. Il n'y a pas d'équipement fusion, il n'y a pas d'équipement Rosemont Bradel, il n'y a pas d'équipement de la voie publique. Et je vous garantis, ces dernières fois, je m'ai prêté dans le silence. Je dis, si c'est pour ça que vous voulez m'aller, vous voulez m'aller, il faut que Matissan change. Il y a plein de monde qui dit à vous aller, avant notre collègue pose des questions, gagner un gros bagage qui fait. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, carnaval organisé la journée. Est-ce que vous pas estimez qu'il y a certaines irrégularités dans le carnaval? Pas de aucune irrégularité. Je dis, c'est une décision que je prends pour moi. Son décision prend avec Port-au-Prince. Je suis en débat avec les gens qui vivent dans la commune Port-au-Prince. Je vais expliquer au bien fondé carnaval la journée. Je dis, si je menti, la presse a démenti, on garde pour nous qui s'est passé dans le carnaval. Son carnaval qui fait main dans la main de la fraternité. Côté que frère avec ses passé main dans le cou pour danser le carnaval. Pas rien qui va gagner un problème. Mais je dis, le peuple a montré que lui-même est capable de tenir ensemble pour changer la situation. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations. Magistrat commune Port-au-Prince, Luxon Janvier. Puis devant nous gagnons l'équipe haïtienne de football qui joue un ticket qualification pour Coupe du Monde qui a organisé Nouvelle-Zélande et Australie. Sorti 20 juillet pour arriver 20 août 2023. Nerilia Mondésir raté un penalty alors que Melty Diomoné baille deux goals qui permettent pays d'Haïti jouer un ticket qualification si là. Yon victoire que Melchi Dumoné lui-même, ensemble avec l'équipe haïtienne dédiée à la mémoire de Michael Benjamin, qui était vraiment un gros supporter de l'équipe haïtienne. Équipe s'il a tombé dans le groupe D, mesdames et messieurs, côté Libral gagné dans pour lui, Angleterre, Danemark, ensemble avec la Chine. Ensemble avec moi, en tant que déclaration, Coventina. Nous supportait, on voulait écrire l'histoire, on l'a dit, on l'a fait, on a assumé sur le terrain, on a fait les efforts, on est vraiment satisfait pour cette qualification. Maintenant, on va penser pour rendre une entrée encore historique dans la Coupe du Monde 2023. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Haïtiens? Vous avez fait le boulot, eux doivent faire aussi partie du travail, donc vous les attendez. Je dis aux Haïtiens que cette qualification, il est pour vous. Et aussi, je tiens aussi à rendre hommage à Mika Ben. Parce que c'est un artiste, comment dire, qui était présent pour nous, qui voulait aussi partager ce rêve avec nous. Maintenant, malheureusement, il n'est pas avec nous, il est mort.
Mais on tient à lui rendre hommage parce que ça fait vraiment beaucoup avec Charlie aussi qui est blessé notre coéquipière. On est vraiment fiers. On dédie cette qualification à tous les Haïtiens. Merci. Ouais. Et voilà, mesdames et messieurs, nous souhaitons des déclarations. Melchi Dumoné, alias Corvin Tina, une superstar équipe haïtienne qui vraiment a fait fierté nous. D'ailleurs, équipe de football féminine, dans le moment, l'a fait fierté nous, tout côté, j'y ai passé. Et c'est là, nous mettons bout dans la rubrique tout aujourd'hui. Merci d'être côté là, commenter, partager. Et merci d'être côté invité aux familles ou aux amis, ou abonnés ensemble avec Info 5, pour être capable de bonnes informations. Nous bon rendez-vous pour la prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Fonko I'm not the only one.